1954, on se retrouve pour le troisième épisode de Minecraft sur aventure. Bon, d'abord, je vais m'excuser pour une chose, pour un énorme problème qui s'est passé. Vous allez sans doute me dire pourquoi j'ai eu du fer. C'est très simple. Le véritable troisième épisode de Minecraft, en fait, ben, il y a eu un problème. J'ai visionné, etc., mais on voyait le fond, quand j'avais mis le truc plein écran, on voyait le fond d'écran de mon ordinateur, mais pas Minecraft. Capouic! Alors, je m'excuse vraiment sur ce qui s'est passé. Et j'ai vu, hein, et qui s'est passé, j'ai trouvé du fer dans la grotte là-bas. Bon, pas vraiment une grotte, dans les tunnels que j'ai créés. Et vers là-bas, j'ai vu qu'il y avait une grotte. C'était bien dommage. Quoi d'autre? J'avais trouvé des moutons, mais je les ai perdus après. Quoi d'autre? Ben, l'un de mes objectifs que je me suis fixé, c'est qu'on va pas vivre vraiment là-dedans, c'est que je vais essayer de faire une maison, mais dans... Bon, attendez. Une pioche ou pas? Oui. Dans une montagne qui est juste à proximité. Ben, on va creuser. Mais je m'excuse vraiment sur ce qui s'est passé. C'était par un pur accident. En fait, c'était ici où j'avais trouvé... Les six ou sept premiers morceaux de fer, et après j'avais trouvé. Mais le truc, vous aurez dû me voir comment j'ai gueulé. Oh, j'ai gueulé, mais à mort. Parce qu'il y avait eu des silverfish qui étaient apparus d'un coup. Pouf! Les gars, j'étais pris en panique. Oh putain, vous aurez dû voir. Les gars, maintenant j'ai peur qu'il y en a encore. Hop. Je vais bien les placer. Pouf, pouf, pouf. Et voilà. Mais sinon, d'où ils sont apparus ces silverfish? Et en 30 ans, j'avais réussi à faire du pain. Regarde si j'allais y passer. Parce que après, on ira voir si on retrouve pas ces cons de moutons que j'avais vu tout à l'heure, mais que j'ai perdu de vue. C'est jour ou c'est pas jour? Non, c'est toujours nuit. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire un étage. Mais sur là, mes échelles. Je voulais faire un étage vite fait là pour une espèce de tour de guet, on va dire. Non, je sais pas. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le dernier épisode, on avait eu, on s'était fabriqué un arc. Et on avait eu 2-3 flèches. Un cochon là-bas qui va pas tarder à se noyer, je sens. Et sinon, la grotte que je vous ai dit, elle est là. On ira tout à l'heure, on la torchera un peu. J'ai pas envie de me gameler parce que j'ai vu un creeper. Le
ferai le truc que je voulais pas faire. Parce que sur le coup, j'ai flippé là. On fait comment déjà les trappes? Merde. Les trappes, on les fait comment déjà? Les trappes! On fait comment les trappes déjà? Je suis qu'une cassosse, je sais plus comment on fait des trappes! On va essayer. Merde, je. Mais... Non, ça c'est des barrières. On fait comment déjà les trappes, bordel? Parce que je sais vraiment plus comment on les fait les trappes. Non, pas comme ça. On les fait comment, bordel? Bordel. Ah, c'est peut-être comme ça si je me trompe pas. Ah, bah voilà. Enfin. Merde. On est là, vous. Voilà. Ah bah tiens. Commence à faire jour. Je vais prendre deux morceaux de charbon pour me faire des torches. Voilà. Et c'est parti. On va essayer de retrouver nos chers moutons perdus pour essayer de se faire un lit. J'ai une hache ou pas? Non, j'ai dû la laisser. Les autres objectifs que je me suis fait faire, bon bah c'est d'essayer de buter le Wizard Boss et l'Ender Dragon. Bon, bah, ça, il faudra que je tue pas mal de d'Enderman. Oh, la grotte. Je sais pas si j'y vais tout de suite ou pas, la grotte. Ah, les moutons ou la grotte? Les moutons, vaut mieux. Comme ça, je respawnerai ici direct. Ah, je suis deg d'avoir perdu les données. Sur le coup, je vous jure, j'ai trop cru qu'il y avait un creep derrière moi. Oh putain. Oh, désolé pour le coup de flip que j'ai eu peur. C'est quand j'ai commencé à creuser, j'ai eu peur qu'il y avait eu un creeper derrière. C'est tout. Désolé. D'avoir flippé comme ça pour rien. Les moutons perdus, vous êtes où? Oh, du fer. Du fer, qu'est-ce que je raconte? Du charbon. Il me faudra en plus du charbon. Les moutons perdus, vous êtes où les moutons? Bon, j'ai essayé de prendre un peu de hauteur pour qu'on puisse voir vers où ils sont, mais non, je les trouve pas si gros de moutons. Tiens, il y a une araignée là-bas. Tiens, c'est l'endroit où il y a de la lave, où on avait démarré l'aventure. Bon, vous allez sans doute me dire, mais c'est quand tu vas plus à l'aventure, etc. Oh, un zombie en train de cramer. Bon, tuer l'araignée, la direct comme ça va être bien. Et oh non 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 non, voilà. Au pire, je tue plein d'araignées pour que je puisse faire de la laine avec leur fil. Pidoum, pidoum.
des tout. Oh, des piggies. Aïe. Oh non, pas de la flotte. Tout, mais pas ça. Eh ben, il fallait bien qu'à un moment, j'ai de la flotte. Parce que je vous explique, si je me trompe pas, quand il peut avoir des monstres aussi. Oh, la droite. Pourquoi c'est sur moi que ça doit tomber, tout ça, merde. Bon, on va faire demi-tour, parce que là, et on va tuer quelques poulets au passage. Pour deux choses, j'ai les plumes. Et là, rien. Oh putain, je trouve ça qu'un chien. Je saute dessus parce que, heureusement, je ne veux pas que je m'en souviens comme si c'était hier. Et hier. Bah, il y a un creep là qui m'avait tué. Oh putain, j'ai trop peur qu'il y ait un creep qui me... Oh, une grotte. Ah non, c'est juste une canne à sucre. Oh, la canne à sucre. Waouh, mais la chance. Depuis 12 ans. Oh, ça va nous être utile, la canne à sucre. Au moins un. Et là, c'est droit. Ouais. Non, je dis pas que je me suis perdu. C'est pas un tour là alors. Ah non, il y a toujours mes morceaux de cobble que j'avais laissé dans le dernier épisode, donc hier. On va essayer de continuer plus par là-bas parce que je viens là-bas sur la barrage. En même temps, on va se poser trois feux, pour partir. Le temps, il est tout bordel. Oh, en plus, il y a le blé qui a poussé. On va la mener à la barrage. C'est un mort. Oh putain, c'est mort. C'est le mouton. Bon, on va regarder quand même la cobelle. On va voir comment. Je sais plus comment ça se fait. C'est
On doit tout remplir ou on fait juste une pilage? Juste en faisant un petit carré. On va faire comme ça pour le Bonsaï. Oh, ça. Ah oui, une petite astuce qu'on m'a appris pour retrouver son chemin dans une grotte. Très simple. Mettre les torches à droite pour dire que tu descends. Et comme ça, dès que tu te retournes, tu vois les torches à gauche et tu sais que c'est que tu remontes. Ah non, désolé, j'ai trop peur. Ah, j'irai quand j'aurai un minimum plus de stuff. Et en plus, il commence à faire nuit. Il est bon, il ne faut pas tarder à pomper. Non. Ah, pitié. Mais moi j'ai toujours remarqué une chose, c'est qu'il y avait toujours une araignée qui popait toujours au même endroit. Pas vous? Je vais attendre le jour plutôt. Tu vois, je vais réfléchir de quel côté je vais partir pour essayer de prendre le mouton. Bon, là, on sait qu'il y a des araignées. Il n'y a pas de zombies au passage. Non, il n'y a pas. Non. Une squelette non plus. Ah dommage, on voit bien qu'il y a des squelettes. Bon, sinon si vous voyez qu'il y a deux trois morceaux de cobble qui sont à terre comme ça, bah c'est normal, c'est pour me retrouver dans mon chemin, etc. Donc, je peux l'avoir en deux coups. Ah ouais, en deux coups, mais ça va lui faire ça de jour et en plus j'ai plus du tout de flèche. J'ai plus de flèche. Attends, le gravier est là. Là j'ai un plan. On va essayer d'avoir des flèches. Thank you.
Heureusement que je ne suis pas mis en hardcore ou un truc dans le genre. Non, j'en ai trop derrière. Hein. Oh bah tiens, on a de la chance. Oh, c'est la même chose que du siècle, c'est du briquet. Oh. Oh bah, il ne manque rien de briquet comme ça quand tu pourras ici pour allumer le portail de la gueule. Bah, oh bah tiens, le piggy. Piggy, viens pour de la croque, piggy. En tout, on en a trois maintenant. Flip. Avec une peur, parce que bien, je suis mort comme une merde contre un super malheur. Je me trompe pas quand on fait quoi? Une flèche, quand une flèche de la la plume, le filet, les morceaux de bois, ou c'est nether. Oui, c'est comment déjà le second flèche? Merde, une flèche. Bon, déjà. Ah, oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai le morceau de bois. Tac. Ah, on sait comment c'est qu'on flèche. Comment c'est flèche, j'ai le malheur. Ou c'est l'inverse, comme ça. Ah, comment déjà les flèches, bordel. Quelqu'un me dit, c'est plus. Bon, 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 bon. On va se faire vite fait une petite ellipse. On va se faire une petite ellipse pour que je puisse voir comment on fait déjà les flèches. Alors, sur ce, à tout à l'heure. Et re les amis, j'ai enfin retrouvé la façon de comment faire des flèches. En fait, c'était tout con. C'était tout con, je le mettais presque comme il faut. Au lieu de mettre ça en diagonale, il fallait que je le mette en horizontale. Oh putain. J'étais deg là quand j'ai su ça. J'ai fait non, merde. On garde quand même au moins un silex pour le briquet qu'on va faire. Ça nous fait au moins 12 flèches, c'est déjà ça. Hop. Le creepy, tu vas crever, le creepy. Bah tiens. On se souvient certes qu'on avait tué une araignée. Mais où est la deuxième? Soit elle a dû se casser ou soit elle a des pop. C'est entre les deux. Ou bien elle est partie là-bas. Allez, monsieur le creepy. Une. Et deux. Ah, loupé, trop. 3. Bon, il faut 3 flèches pour tuer un creeper. Ah. Moi, je préfère attendre que j'ai au moins un minimum de stuff. Bah, j'ai une idée. On va se faire au moins quoi? Un pantalon? Ouais, ouais, c'est au moins un pantal. Non.
Ah merde. Il m'en manque un. C'est 7. Hop. Je sais, ça me dégoûte d'utiliser autant de faire dès le début. Et hop, on a un portail en fer. Alléluia. Et voilà. Ça nous fait au moins un minimum en plus. Le jour qui se lève, wouhou! Bon ben, on y va. Aïe. Oula, je vais bouffer d'abord. Voyons s'il avait... Ouais, il a lâché de la poudre. Ben, comme je vous l'ai dit, ben, tout à l'heure, c'est que on a... L'un de mes objectifs, c'est de faire une maison ben, en caverne. Vous voyez ce que je vois? Non. Oh, non! C'est ça, c'est pas l'Enderman! Non, je viens de voir. Des witches! Des sorcières! Non. Oh non. Tout, mais pas ça, pas des sorcières! Oula, il y en a une qui a des pop. Pas d'accord. Elle m'a pas vu. A chaque fois, elle se boit mais des potions, mais de guérison. Non, je veux te buter. J'ai vu ou j'ai fait pas. L'Enderman a disparu. Non. Non. Oh, on y va. Taillot sur la sorcière. Non, 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 la chance! Non, non! Je savais pas ça par contre! Ou bien c'est. Ouais, j'avais zappé en fait! Que les sorcières, ils pouvaient drop des potions! Une potion de génération et elle nous a droppé du sucre! Cool! Sur le coup, j'ai trop cru qu'il y avait une deuxième sorcière, mais à côté, mais non, c'est vu que j'avais bougé d'un coup comme ça, j'ai cru que c'était juste une vache! Oh putain, j'ai eu la flippe! Il y avait du charbon là. Ça fait gaffe, on va le récolter parce que du charbon, c'est précieux. Mais on a eu aussi de la chance pour autre chose. C'est que la sorcière, elle a pas eu le temps de nous jeter une potion d'empoisonnement. Parce que ça, ça aurait été chiant. Et le truc, c'est que j'ai pas de lait. Hop. Oh putain, déjà niveau 9. Ah, c'est chiant, c'est gros, c'est plus long. Non, je remonte, je préfère. Ah, non, non, ouf. Ouf, au moins j'ai un petit truc pour respirer. Le charbon, on va remonter et j'allais voir. Et après, ben, je sais pas.
Ah, fait chier. On avait vu un Enderman, mais non, il s'était barré direct. Mais j'oublie que les Enderman, ça arrête pas longtemps au jour. Je garde la potion de guérison parce que elle me sera putain d'utile. Bon, désolé pour la vulgarité. Les flèches, je le garde. Hop, on va en faire de la bonne île. Et oh. Bonne île, en gros, ça veut dire poudre d'os. What? C'est quoi ce bruit? Mais la maison, par contre, dans la grotte, là, ça sera par contre en off. Ah, j'ai de la bouche sur moi, quoi. Non. Hop. Je récolte pour remplacer. En plus, ça me sera utile le sable pour me faire. Ah. De la TNT si je me trompe pas. Hop, ça c'est bon. Et j'ai pas ma peau. Après que j'aurai fait, ben, agrandis un tout petit peu ma culture. On se verra au revoir. Je te mets là les plantes. Oh le radin. Il m'a pas donné une grade. L'araignée est de retour. Ayou, ayou. Araignée, Toco. Araignée. Vous l'avez bien entendu. Comment l'araignée? Hein? Soit c'est mon imagination, je deviens folle. Vous l'avez bien entendu. Si elle me saute par derrière, je fais ta peau. Voilà. Et hop, il y a une chaîne de pain. Et hop. Le poulet. Et les côtelettes de porc, vous les donnez là. Moi, je te fais cuire. Bon ben. Sur ce, je crois qu'on va se dire au revoir. Ça aurait été, ben, une fructueuse journée, comme on dit. On a eu, ben, comment dire, une potion de régénération grâce à cette conne de sorcière et j'ai eu de la chance. Quoi d'autre? Je ne suis pas mort. Et sur ce, on va se dire au revoir. Laissez un pouce bleu, un commentaire. Sur ce, bien.